Toi, tu es le coordinateur de l'Afrique du Nord. Exactement. Alors, est-ce que tu penses que la pression, si on continue, il va finir par partir, Monsieur Moubarak? Écoute, je pense que c'est juste une question de temps. Normalement, il doit normalement quitter le pays, ça fait longtemps. Mais c'est une question de temps, ça va prendre peut-être quelques jours de plus, ou quelques heures de plus, j'espère. Si lui part, est-ce que son régime va continuer avec son vice-président? Ben écoute, normalement, le peuple a dit non, on ne veut pas de Moubarak, on ne veut pas de son vice-président, on ne veut pas de son régime. Ils veulent, les gens veulent à ce qu'on change le régime, à ce qu'on change tout. On ne peut pas partir et laisser son héritier au pouvoir. OK. Donc, et pourquoi les gens veulent qu'il parte? Vous savez bien, c'est à cause de la corruption. Hein. Il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de droit, ni de droit d'expression, ni de liberté d'expression. Les gens n'ont rien. 40% des Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de $2 par jour. Et alors que d'autres, là, je ne sais pas, peut-être 5% de la population détient 90, voire 95 des richesses du pays. D'accord. Et les relations entre l'Égypte et le Canada, elles sont comment? À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des relations commerciales entre les deux pays, mais tout ce que je sais, c'est que Moubarak a été soutenu quand même par le gouvernement Harper. Et on ne voit rien là qui se passe au Canada justement. Le gouvernement Harper n'a pas fait de déclaration claire sur ce qui se passe là-bas. Ils n'ont pas demandé à Moubarak, par exemple, de quitter le pouvoir, de laisser les gens en paix. Ils n'ont même pas appelé à respecter le droit international, à respecter le droit du peuple, le droit du peuple à s'exprimer, le droit du peuple à une justice sociale. Voilà, donc je pense que le Canada n'est pas vraiment clair là-dessus. Là. Il y a au moins la relation pour le tourisme. Est-ce que le tourisme est plutôt arrêté en ce moment? Ben, ce que j'ai entendu dire, oui. Est-ce qu'il y a un appel aux gens de boycotter l'Égypte jusqu'à temps que Moubarak parte? Non, justement, il n'y a rien. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé, ça va faire 10 jours quand même de manifestation. Le secteur du tourisme doit avoir subi quand même les conséquences de tout ça. Mais il n'y a pas quelque chose d'officiel. Pas pour l'instant. À ma connaissance. Il n'y a pas d'appel à boycotter. Quoique, je ne vois pas vraiment si c'est important de boycotter le tourisme. Parce que le tourisme, quand même, ça reste l'un des secteurs qui permettent au peuple égyptien de se nourrir. Moi, j'ai été en Égypte, j'ai vu qu'il y a plein de familles qui vivent sur le tourisme. Ok. Quoique, ce n'est pas officieusement. Officiellement, c'est toujours la famille Moubarak et les autres qui ont profité. Fait que les Égyptiens ont quand même besoin du tourisme, même si le régime Moubarak est en place ou pas. Exactement. Et on demande quand même le tourisme de continuer. Il y en a 10 familles qui vivent sur le tourisme. OK, ça profite à tous les Égyptiens. Peut-être pas comme aux autres, aux responsables, mais ça profite quand même à 10 familles. OK, merci beaucoup. Okay. People for a genuine democracy and the rule of law. The Egyptian people could not tolerate such a corrupt regime anymore. No more corruption! No more for corruption! No more for corruption! Regime that had failed to meet even the basic needs, the human needs, and legitimate aspiration of Egyptian people. Even now,
Mubarak is still playing his deceptive game. However, he is finally being pressured to make few concessions. But that's go to the people of Egypt who pressure him to do that. Vive le peuple d'Egypte! 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 The revolution is keeping its winning ground day after day. During the first couple of days, Mubarak dismissed his fair government. For the first time in his 30 years, he appointed a vice president, a position he never really wanted to fulfill. And he declared he would not run again for another term. He also promised that his son would not be the heir of the state. Not again! 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 C'est fini! All this is a cosmetic change. All the people refuse it. No one will accept it. Not here, not in Egypt, not in Tunisia, not in Algeria, not in Yemen, not in Jordan. Will accept this manipulation of people again. On the 11th day of the revolution, the newly appointed Prime Minister had the courage to apologize to the people of Egypt for the violence and the massacre that has been betrayed all the demonstrators, that has been built and orchestrated by Mubarak's son and his colleague, his gang. Yahya Sha'b Nasr al-Amin! Yahya Sha'b Nasr al-Hurr al-Amin! Yahya Sha'b Nasr al-Hurr al-Amin! ولا بد للخير.